ici Truffy et bienvenue pour une vidéo bonus de Fnaf 3 où on va essayer de faire la good ending qui nécessite de réaliser chaque nuit apparemment des mini-jeux. Bon, je l'ai pas découvert tout seul, vous en doutez. Donc on doit recommencer comme si de rien n'était. Je veux voir si à la nuit 1, caméra 8, on peut déjà cliquer sur Balloon Boy. Et c'est bien le cas. C'est le début, ça commence ici. On est le petit Balloon Boy obèse. Il est mignon. Très mignon. Oui. Dirait les vieux jeunesse, hein. C'est mignon, c'est joli. Ramasse les gros ballons. Super. Maintenant, tu peux partir. Oh, et il flotte. T'imagines s'il s'explosait par terre comme une merde. Et donc ça relance la nuit depuis le début ou quoi? Intéressant. Ah non, apparemment il fallait pas faire ça, il fallait ramasser les trucs. Mais après il faut pas partir par la porte de sortie. Il faut aller ailleurs. Je vois. Tu vois, comment ils s'attendent à juste que tu découvres ça? Et que tu as envie de réessayer en mode, ah, il faut vraiment spammer, enfin torcher le jeu, il faut le violer. Comme si c'était un animatronique. Qu'apparemment on ne prend pas la porte, on va là et on essaye de sauter comme ça. Wow, gangster style. Bonjour. Ouais. Génial. Maintenant on doit aller tout à droite apparemment. Ça m'a l'air très rassurant. Comme visuel. Balloon Boy qui pleure et ça je sais pas, on dirait Mickey satanique. Oh. Je veux mon ballon multicolore. Balloon Boy, c'était peut-être le fantôme d'un petit gros qui met les ballons, hein. Peut-être. Est-ce que j'ai encore foiré? Donc là, c'est la nuit 1. On peut rien faire d'autre, apparemment. C'est le petit jeu qu'il faut compléter. Et après, il faut aller à la salle d'arcade, mais je pense pas que tu puisses le faire maintenant, ça. Quand il pense, c'est quand même très particulier, cette idée de créer un parc d'attractions à partir de faits divers. Il y a eu des meurtres d'enfants dedans, et je pense que c'était avéré. Je pense que enfin, de façon publique, ça a été quand même confirmé, donc les gens, c'est pas seulement une légende urbaine, je crois. C'est comme si on décidait de créer une visite guidée de la maison de Marc Dutroux. Là, sur le salon, vous pouvez voir qu'il a violemment torturé des enfants. Enfin, je veux dire, c'est tellement macabre. Je comprends même pas comment on puisse autoriser ça. C'est très bizarre. Waouh, je suis trop fort. Bon. Oh. J'ai jamais vu cette pièce dans ce mini-jeu à la con. BBDB L click. Ah ok, je vois le rapport avec la prochaine énigme, mais il faut que t'ailles ici pour le découvrir. C'est-à-dire, c'est tellement aléatoire. Parce qu'en fait, les visuels qu'on voit sur la droite, ça représente les touches qu'il faut appuyer sur la bande d'arcade dans la caméra 7 lors de la nuit 2. C'est quand même sacrément perché. Je sais pas comment les mecs ils ont fait pour trouver ça. À mon avis, ils ont dû recommencer 20 fois le jeu pour... Ah ouais, cette conclusion. C'est du fanatisme à ce stade. Les mecs, ils mangent Freddy, ils se branlent Freddy, ils chient Freddy. Allez, nuit 2, cette fois, nouveau petit jeu. Caméra 7, sans plus attendre. Boum. Rien doit faire. Tac, 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 tac. Et faut le savoir que tu peux cliquer à ce moment-là, quand même. Putain. Donc, je suis une tête. Oh ! Magnifique. Et je suis Mangle et je dois collecter et mourir. Je dois collecter les pièces de mon corps pour ensuite échapper à un homme vert, je sais pas. Les hommes sont très étranges, hein, quand même, dans ce jeu. Voilà. J'ai une tête qui a récupéré une jambe. Putain. Je suis mauvais aux jeunesses de base, donc... Même comme ça, je me tape des game over. Mangle, qui n'est pas une femme, encore une fois, je le répète. C'est un animatronique cisgenre, blanc et raciste. Si tu le savais pas, bah apprends un peu la mythologie de FNAF, espèce de noob. Comment tu veux échapper à ce gros sac à merde, là? Ok. C'est ce qui s'appelle les traqués, là, qui... Ah oui, mais moi, en même temps, je suis habitué à... Putain,
Je suis habitué à la touche espace, c'est pour ça que je sautais pas. Quel trou du cul je fais. Allez, j'ai une main au cul maintenant. Reviens, homme obèse et passablement excité par ma présence. Et voilà. Et je ne prends pas la porte de sortie, je m'en vais à nouveau. Wouh, j'aime les bugs, j'aime aussi les crises d'épilepsie. Oh, bonjour. Ça va être le purple guy. Et là, c'est quoi? C'est les ballons. Je peux sauter sur les ballons. Waouh! Trop forte, Mangle. Tu es bien un homme libéré, cisgenre, blond et raciste. Oh. Un gâteau d'anniversaire au clair de lune. Comme c'est mignon. Joyeux anniversaire. C'est bon, là, c'est complété ou pas? Bordel. Et maintenant que t'as fait ça, tu dois aller à la caméra 8, dans la même nuit, voir Balloon Boy. Mais c'est le même jeu, c'est quoi ce bordel? Ok, encore des ballons. Oui, j'aime les gros ballons, bien rouges et bien ronds. J'ai un petit bonhomme obèse. Ah oui, j'ai mangé trop de pizza. Trop de pizza. Comme chez Mignon. Bye bye. Bye. Oh, effectivement, ça a changé, il n'y a plus de bugs, maintenant j'ai des ballons. Génial. Comment tu peux sauter sur des ballons? T'es trop gros pour ça, merde. Ouh, c'est trop dur. Ouh, tant de difficultés. Oh, il pleure. Tiens, un gâteau, devenons gros ensemble. Ah putain, à chaque fois, en fait, quand tu vas ici dans le mini-jeu, quand tu passes par l'endroit différent de là où il veut t'amener, toujours dans la même pièce, t'as des indices. Parce que là, pour la nuit 3, c'est les cupcakes. Donc, ça veut dire qu'il faut que t'aies 4 cupcakes. Il faut que tu... Quand je boupais les cupcakes, j'avais raison de le faire, en fait. C'est juste que j'ai jamais eu le quatrième. Avec tous ces grésillements de PD, le stress de pas comprendre, parce que tu comprends... À la nuit 2, tu comprends déjà rien. À la nuit 3, tu comprends encore moins. À la nuit 4, tu sais pas ce qui t'arrive. De toute façon, tu t'es là, mais t'es là pour le salaire. Et... Donc, au final, quand tu rejoues comme ça et que t'as le temps d'apprécier, entre guillemets, apprécier... Bah, tu comprends un peu mieux le mécanique, mais c'est alambiqué, quoi, de te faire faire ça dans le mini-jeu à la fin du niveau pour te dire voilà ce que tu dois faire à la prochaine map si tu veux avoir la bonne fin. Clé. Alors, on va chercher les cupcakes. Ils sont où les cupcakes? Il y en a là, ah, quand même. Il y en a là, on les connaît, hein. Il y en a ici, et il y en a un ici. Oh, sexy Chica! C'est quoi ces yeux de canard? Tellement joli! Qu'est-ce que tu fais avec un bikini rose, Chica? Je ne te pensais pas comme ça, femme. Ok, les enfants qui pleurent. Ah, nous voilà! Il faut que je trouve l'enfant qui pleure. En fait, c'est... Wow, je tombe! Adieu! Ah! Non! C'est quoi tout ce genre? C'est horrible! Laissez-moi en paix! Adieu! Monde cruel! Qu'est-ce qu'il veut à mon cul de poule? Ah non! Non! J'aime pas les enfants qui pleurent. Mourez. Donc t'arrives ici. Ok. Les petits ballons. Tu tombes pas dans le vide cette fois. Et tu vas dire bonjour, enfant qui pleure, momie moche. Voici ton gâteau. Sale gosse. J'ai l'impression d'être un garde blasé qui connaît le boulot par cœur, tu sais. 3, 9, 5, 2, 4, 8. Ça veut tout dire, je comprends tout. Vous devinerez jamais là où il faut cliquer. Vous n'allez pas en revenir. La suite va vous surprendre. Non, ce sera pas sur ma bite. On doit cliquer sur les dalles ici, devant nous. Qui forme un schéma, apparemment, donc 3, 9, 5, 2, 4, 8, et un mini-jeu. Qui va aller chercher, qui va aller trouver ça? Ah d'accord, je suis gros Freddy, est-ce que je peux m'échapper, non? C'est la... Oh. Au revoir Freddy.
Il s'est suicidé, je crois. Au revoir, Freddy. Tu étais trop bien pour ce monde. Attends, ils ont l'air d'avoir pris de l'ecstasy, et puis... Du coup, on dirait String Fap, le bonnet jaune, du coup, pour de vrai. Faut aller deux fois sur la droite, apparemment. Loop de l'infini. Comment ils veulent que tu saches ça? Et là? Et là? Il faut aller... ici... et branler l'écran pour remonter. Ah, il a un petit peu un problème. Parfait. C'est très technique, tu vois. Bonjour. Hey, il manque un enfant. Je vois qu'il manque des enfants. Bonjour. À l'infini au-delà, suce mes boules de chocolat. Je comprends pas ce que tu attends de moi, je... C'est quoi cette merde? Alors tu vas là, tu fais ça, Spider-Man. The fuck? Apparemment, je suis dans le bon endroit. Et à partir de là, il faut... Salut, String Fap. T'es content de me voir? Moi je suis très joyeux, regarde comme je frétille. En fait le but c'est de trouver des surfaces où tu peux te branler comme un ours. Voilà. J'adore me coller ma zigounette partout, c'est un grand plaisir. Et à partir de là, de cette plateforme, si j'ai bientôt pigé... Oh! Je me téléporte en me frottant les yeux sur toutes les surfaces que je peux sur ce petit enfant pour jouir un cake. Il est content la momie. Mais ce n'est pas tout! Non, ce serait trop simple. Puisque maintenant... il faut passer cette nuit-là. Ce qui est un gros plaisir. Ce jeu est fantastique. Hé, hey, c'est pas fini! Reste encore des mini-jeux! Non, merde, ça va être quoi la 17e fois? Ah, maintenant, Shadow Bunny. C'est ce que c'est. Voilà. Alors, c'est ton indice. Tu dois cliquer sur Shadow Bunny. Moi, je vois ça d'instinct. Je me dis, il faut que j'aille sur la caméra où on voit la carcasse de Bunny. Je clique dessus 2-3 fois. Mais t'inquiète que c'est pas ça, en fait. Hein. T'inquiète. C'est pas ça du tout. Non. Non, monsieur. Non, madame. Donc, maintenant qu'on est à la nuit 5, il faut cliquer là où il y a effectivement une petite truc de Bunny. Dans les ténèbres, qu'on voit à peine. Et tu dois, du coup, te téléporter, parce que t'es très moche et t'as besoin d'une dentition, et dire « Bonjour, petit enfant qui pleure. Veux-tu goûter à ma crème fouettée ?» Oh ! Oh, j'aime beaucoup. Je vois tous les jeux de merde, là. J'arrive, petit enfant, j'arrive pour ton cadeau. Tiens, t'es content de voir Derp Bunny te donner un sacré fouetté? Apparemment, oui. Maintenant, il faut aller à la caméra numéro 3 et cliquer sur ça. La petite marionnette puppette sur le dessin. Et là, tu vois que tout le monde porte des masques bizarres. Tu es le petit garçon. Peut-être que tu es Purple Gay quand tu étais petit. La genèse. Tout le monde se régale avec les gâteaux et moi j'en ai pas. Ah, portez vos masques, vous allez tous vous faire violer de toute façon. Oh, regarde, ça doit être les masques de Freddy, Chica, Foxy et Bunny. Et moi je suis celui avec... Alors là, pour la signification, il devient Golden Freddy et moi je suis la marionnette qui pleure. C'est tous les enfants qui ont été tués par Purple Guy à mon avis. Qui était Golden Freddy, en fait. De base. Golden Freddy... C'est pour ça qu'il y en a 5, c'est qu'il y a la marionnette aussi. Je crois. C'est mon interprétation du truc. Me fais pas chier.
Et donc le jeu se finit là quand on finit cette nuit, mais il faut encore y arriver une fois. Queen, salope, Queen. Meilleure imitation de cochon du monde. Un canard qui meurt. Regardez, j'ai 2 étoiles, ça veut dire que j'ai réussi. C'est vrai, j'ai réussi. J'ai montré ce qu'il fallait faire pour avoir la bonne fin. Et je n'irai pas plus loin. Voilà, si vous voulez la reproduire à votre tour, vous en jaillez auprès de ces animatroniques charmants. C'est votre choix. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en faisant ça, ces mini-jeux d'arcade qui n'ont aucun sens, on libère l'âme des enfants apparemment. Comme l'indique le fait qu'il n'y ait pas de lumière dans leur casque. La prochaine fois qu'on jouera à tes souhaits enculés, ce sera le 4. Et ce sera bientôt, mais avant cela, nous avons des jeux à faire, donc si t'es pas content, mets-toi dans le cul et fais l'avion. Voilà. Je dis à bientôt pour d'autres vidéos en ma compagnie. Et voilà. Biou. Jeu de merde.